Salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Live avec le défi Future Star 9 pour récupérer le jeton Obradovic et vous récupérez également un pack joueur or vendable. Donc c'est sympa vu que les prix des joueurs or sont assez élevés avec le renfort 81+. Faut en profiter, tant mieux. Donc les amis, pour ce défi là, il fallait 4 championnats maximum. 4 joueurs de même championnat maximum, 2 joueurs de même club minimum, 2 joueurs rares minimum, une note générale à 75, un collectif à 75. Franchement, très simple les amis. Il fallait, enfin moi je l'ai fait comme ça, après vous le faites comme vous le sentez. J'ai fait un triangle de Ligue 1, vous faites le triangle de votre choix, pas forcément de Ligue 1. Vous faites le triangle, moi j'ai fait un triangle des joueurs des Pays-Bas avec un MC des Pays-Bas, histoire d'en avoir 4 et histoire d'avoir la note. Et après tout le reste c'est championnat suédois, et comme vous pouvez le voir, je les ai achetés à 200 eux, donc ça reste correct. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel championnat. Si vous pouvez mettre des argent, c'est mieux. Si vraiment vous avez que des bronzes, c'est pas grave, il suffit juste d'acheter des joueurs or un peu plus, avec une note un peu plus grosse. Donc après c'est à vous de voir. Mais vraiment, ne vous prenez pas la tête, vous faites le triangle là, le triangle là. Le gardien, ben, vous le mettez soit pour le côté gauche, soit pour le côté droit, comme vous le sentez. Et après, vous mettez 4 joueurs de même championnat ici, et on est très bien. Nous, on est à 3 championnats, vous pouvez même mettre notre joueur ici. Après, pour le collectif, peut-être que vous ne l'aurez pas. Mais si vous ne l'avez pas, ben, vous mettez un DD à la place du AD, et on est bon. Donc voilà les amis, les joueurs or coûtent environ 600 crédits. Donc il y en a 3 et 3, 6. 6 x 6, 36, ça fait 3006. 3008, 4000, 4002. Les joueurs or rares, vous les spammez à 700. Ça fait 1004. On est à 4002 plus 1004. Ce qui fait 5600 crédits pour ce défi-là. Ça reste correct. Allez, on commence les amis avec Christopher Nordfeld, Rasmus Alm, Jesper Lofgren, Mamadou Sakho, Caio Henrique, Bilal Hussein, Frédéric Michto, Valentin Rongier, Zakaria Labiade, Vinicius, et on termine avec Sébastien Haller. On soumet l'équipe, on récupère notre jeton. On récupère donc notre jeton. Et on va aller ouvrir notre pack joueur or, on va voir ce que ça donne. On a sûrement aussi un pack de prévisualisation, on va voir ça. Ouais, normalement on a un pack de prévisualisation. Ils sont super longs ces serveurs, c'est horrible. Allez, c'est parti. Pack joueur or, on a une petite anime, c'est cool parce que c'est vendable. MDC, c'est Heusberg. On va tout envoyer sur la liste de transfert. Mais voilà, pour 5000 crédits, sachant qu'il y a 12 joueurs or, vous les vendez au moins 600, donc ça fait, franchement, vous faites 7-8000 crédits tranquille, alors qu'il vous coûte 5005, donc quoi qu'il arrive, vous êtes bénef. Allez, on ouvre notre pack premium or. En prévisualisation, on a de la merde, donc on skip. Et puis, on va voir s'il n'y en a pas un truc sympa. On n'a rien du tout, donc ça, on ne le prendra pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Le jeton dans les packs est encore disponible pendant 2 jours et 23 heures, donc ça fait plus 3 jours, on est mardi, jusqu'à vendredi 19h dans les packs. Donc s'il vous manque le 28e, il est là. Nous on est à 25, il y a le 25e qui est sorti, il en reste 3 autres, 26, je ne sais plus, de toute façon je vais mettre à jour le suivi des jetons. Mais voilà, il en reste bientôt plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.